Bonjour la maman, bonne arrivée. Bonjour monsieur, Oui, merci. vous êtes arrivé aujourd'hui pour un cas de confession. Votre petite fille qui est là, elle est dans la sorcellerie Oui. et elle veut se confesser. Dites-nous un peu comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'aujourd'hui vous veniez avec elle pour se confesser. Depuis un moment, dans la maison même, j'ai vu que rien ne va, il y a toujours les palabres, monsieur, moi, ça n'allait pas, les petits cas de maladie. Récemment, j'ai senti qu'il y avait une boule au niveau du sein, je suis allée faire les analyses, on m'a dit que c'était un cancer, on Allons-y. m'a dit que c'était un début de Regardez cancer, la caméra, un oui. début de cancer du sein. Donc, la dame qui est juste derrière, c'est elle, m'a dit que, ah, si c'est ça là, j'ai pris avec un monsieur la solution à ça. Comme j'avais ça, mais avec la prière. Et ça lui dit, comment ça se passe? Je suis au travail, je fais comment? Elle dit, en un premier temps, je vais aller acheter le kit à qui fait 10 500 d'envoyer. Mais avant de commencer, il faut asperger la maison avec l'eau bénite. Et quand j'ai aspergé la maison avec l'eau bénite, en tout cas, j'ai laissé au moment où tout le monde dormait là. C'est ça, j'ai aspergé. Quand j'ai aspergé, il y a un peu qui est tombé sur elle. À côté, elle dormait profondément. Elle se réveille, dit, qui fait l'eau sale là sur moi? Je n'ai rien compris. Après ça, quand je reviens du train, on me dit que ah, ta petite fille a un problème. Que 2 jours là, elle ne dort pas. Elle, la nuit, quand on dort dans la nuit, genre, elle a peur. Ma petite soeur dit qu'on doit les filles s'approcher à nous. Elle a peur. Que les gars, comment elle maigrit? C'est ma petite soeur qui a tiré mon attention. Les gars, comment elle maigrit? Je l'ai appelée et dit, t'as quel problème? Elle a dit, ah, que vraiment. J'ai dit, ce que tu as là, si tu ne dis pas là, tu vas mourir. Il faut dire la vérité, elle dit, à mon village, je suis dans un camp de sorciers, que chaque nuit, on vient me chercher pour aller pratiquer la sorcellerie. La dame se transforme en moi. Elle dit, mais c'est quelle dame? Elle m'a séparée. Elle-même, elle était au village, cette année, je l'ai envoyée ici. Elle m'a dit que oui, la dame en question, elle m'a indiqué un peu la cour. J'ai dit, mais elle vient comment? Elle dit, elle se transforme en oiseau. Quand elle arrive, elle me met sous les ailes, et puis on s'en va. J'ai dit, mais c'est dans quel coup toi tu es rentrée dans cette histoire? Elle dit, ah, que c'est au village. Avant de rentrer, on me délivrait ma propre mère. Et j'ai délivré ma maman. Et comment dirais-je, notre point de lieu de réunion, là, elle m'a indiqué c'est au village. Maintenant, c'est le sang humain même qu'on utilise beaucoup. Que elle, son rôle, là, on envoie aller chercher le sang humain. Que moi, j'ai dit, mais moi, là, qu'est-ce que vous avez fait sur moi? Parce que rien ne va. Elle me dit, non. Comme moi, mes parents sont au village. La vieille a dit qu'à chaque fois que tu envoies la nourriture au village, donc ils vont te donner une grosse plaie. Et puis elle me dit, bébé de ta soeur là aussi, on me dit de prendre le bébé là pour ajouter à notre groupe. Moi, je refuse. Maintenant, toi, ta plaie aussi, je refuse. On me dit, si je refuse, on me dit, donc c'est ce qui fait que j'ai peur. Maintenant, ton mari aussi, on dit de sister l'eau qui est en lui. Tout ça là, elle est dans la maison, elle fait tout. Donc, il dit, bon. Aujourd'hui, elle a décidé, je n'ai même pas même dit au revoir, mes patrons, je me suis cachée. J'ai décidé de venir ici avec elle pour qu'elle-même elle puisse témoigner. C'est ça, elle a dit que oui, Donc, elle peut pas parler. c'est la première fois hein, que vous C'est venez. ma première fois, La toi, première première fois, fois. c'est votre voisine qui vous a donné les C'est éléments, là. vous avez aspergé. C'est la femme de mon collègue. Ah, de votre collègue. Voilà. Vous avez aspergé, automatiquement, elle a été C'est dévoilée. seule Voilà. qui veut a lancé, qui fait ce sale là sur moi? Attends, quand j'ai expliqué ça, en tout cas, ça a touché tous mes enfants. Mais c'est le seul qui a parlé. Après ça, quand je reviens du sol, ah, vraiment, 2 jours là, ta petite fille, là, elle ne dort pas. Elle m'a dit, hé, il fait un moment, elle dit, elle veut quitter la maison parce qu'elle m'a dit que quand tu vas faire ça, tu vas voir la personne qui vous fatigue. Elle dit, elle veut quitter la maison. Elle dit, mais pourquoi elle veut quitter? Que je vais aller chez mon papa. Elle ne pouvait même pas rester. Maintenant, c'est après moi, je l'ai appelée calmement. Je lui ai posé, en tout cas, chaque question, même, de toute façon, vous êtes assis, vous posez la question, elle a la réponse. Chaque question avait sa réponse. Elle me donnait la réponse. Je lui ai dit que si tu ne me donnes pas les réponses, c'est ça, compris pour toi. Tu peux m'ouvrir facilement. Ok, Donc, comme elle est là, elle va parler. Bonne arrivée, ma fille, ça va? Qui t'a mis dans la sorcellerie? La grande soeur de ma grand-mère. La grande soeur de ta grand-mère. C'est elle qui t'a donné la sorcellerie. Comment? Qui l'a tué? C'est toi qui Pas l'as une livré? fois. Non, c'est la grosse de ma grand-mère. Qui a livré ta maman?
faut bien te positionner. Qui a livré ta maman? C'est la conseil de ma grand-mère qui a livré ma maman. Qui a livré ta maman? Maintenant, toi, tu as joué quel rôle? On est allé chercher 100 pour les envoyer. Dis un pas 100. Ils ont dit ce que dit de faire que je ne fais pas et on me tue. Donc, c'est toi qui as participé à la livraison de ta maman. C'est ça? C'est ça, non? Il faut répondre oui, il faut te dire. Donc, tu as livré ta propre mère. C'est ça? Comment tu l'as livré? Dis-nous comment c'est passé. Quand elle dormait, elle a envoyé ma maman. Elle s'est allée envoyer, puis elle a tué ma maman. Tu as envoyé ta maman dans votre camp, et puis eux, ils l'ont tué. Donc toi, tu as donné quelle? Ta maman est morte comment? Maladie? Oui. Tu lui as donné quelle maladie? C'est eux-mêmes qui lui ont donné maladie. Vous lui avez donné quoi? On parle vite, vite. Ouais, c'est toi qu'ils ont envoyé. C'est toi qui l'as livré. C'est toi qui as pris son âme pour partir. Mais tu as donné quoi comme maladie? Puis elle est décédée là. Une coûte maladie. Elle a oublié le nom de la maladie. Elle a fait un balai. On ne pas dire. Elle dit. Stringue là. C'est quelque chose qu'on lance. On appelle ça. Elle a maison. Tu comprends? À maison. À maison. Elle a placé ça où? À maison. Elle a dit ça. Tu as placé ça où? À maison. Maman fait stringue. Tu as lancé ça où? Dans son ventre? Ils l'ont mis dans son ventre. Ils l'ont mis dans son ventre. Et puis elle se promenait, maladie, elle se promenait dans les hôpitaux. Et puis on ne voyait pas la maladie. Mais elle souffrait. Et c'est Amesson là qui l'a tuée. C'est ça? Oui. C'est à quel âge on t'a mis dans la sorcellerie? Tu avais quel âge et puis on t'a donné la sorcellerie? J'ai 9 ans. Tu avais 9 ans. Oui, tu as quel âge? 11 ans. Oui, tu as 11 ans. Donc ta mission, c'est d'aller chercher le sang humain. C'est ça? Et tu as livré ta maman. Et puis, on t'a envoyé chez ta grand-mère. Elle a fait. Tu as fait quoi sur ta grand-mère? Parce qu'elle dit qu'elle a cancer, elle a ceci, elle a cela. Tu as fait quoi? On dit encore, elle a donné plaie. Plaie. Et tu lui as donné plaie? Non, elle n'a pas encore donné. Elle n'a pas encore donné? Elle dit, je ne veux pas. On dit, donne mon petit frère. Dieu ne veut pas. Elle dit, si je ne donne pas, elle va me tuer. Mais elle dit que dans la maison, il y a toujours pas là. Qui fait ça? C'est la conseil de la grand-mère. Elle fait ça comment? Elle vient pas faire ça, c'est toi qu'elle envoie. Comment tu fais? Et puis il y a toujours pas là entre elle et puis son mari. Tu fais ça comment? Elle demeure mauvaise humeur dans la tête de son mari. La mauvaise humeur dans la tête de son mari. Et c'est ce que tu fais? Tu mets la mauvaise humeur. Donc quand il quitte au travail, il est toujours de mauvaise humeur, c'est ça? Très bien. Très bien. C'est ça, faut dire. Faut dire, vive, ils vont prier pour toi. Et puis, tu fais quoi encore, dis-nous? Dans la maison? Tu dis tout. Ce que tu caches là, tu dis tout. Laisse aussi ta vie. Il dit d'envoyer son de mari de ma grand-mère. Elle s'est un peu encore envoyée. Ah, ton sang. Pour moi, c'est une grosse plaie. Ils t'ont pas encore donné la plaie. Mais ils ont mis un esprit de mauvaise humeur sur ton mari. Depuis le cancer, la plaie plaie. Mais Dieu est fort. Maintenant, esprit de mauvaise humeur sur mon mari. Et vraiment, ça chauffe à la maison. Comment ça se passe? Ah, mais en moins de choses, en moins d'heureux. Ta montre là, c'est pour Johnny, ça devient pas là. Ah, les enfants, vraiment, papa, pour Dieu, on a besoin des sang, ça devient pas là. Ah bon? Moi-même, la même là. Ah là, on ne veut pas m'entendre. Et c'est chaud, hein. C'est ce qu'elle vient de me dire. Là, la mère ne m'a pas dit, c'est ici en train de dire ça. Et c'est vous qui faites ça, hein? C'est vous qui faites ça. Depuis son arrivée, vraiment, j'ai... Et puis, vous avez fait quoi encore dans la maison que ta mémé ne sait pas? Vous avez fait quoi encore? On a rien fait, tout ce qu'on a fait. Donc, on t'a programmé pour venir prendre son sang? Non, c'est le sang de mon mari, on prend.
dans le sang de son mari. Mm-hmm. On t'a programmé pour lui donner une grosse plaie. Mm-hmm. C'est ça, le cancer. Il y a un bébé qui est à la maison. Et puis on te dit d'envoyer le bébé. C'est ça. Donc c'est la mission qu'on t'a envoyé pour faire. Mais au moment où elle a aspergé l'eau, là, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu t'es réveillé pour dire c'est quelle eau sale. Non, il m'a vu dedans, il dormait. Tu dormais, mais ça t'a touché, non? Il m'a vu dedans, mais qu'elle versait l'eau. Tu me demandais quand elle a mis l'eau, quand il vient là, elle fait comment pour sortir? Il vient quand elle a versé l'eau, là, tu dormais. Mais on dit tu t'es levé pour dire c'est quelle eau sale, ça t'a touché. Mais quand elle a versé là, c'est à partir de ce moment là, tu as commencé à avoir peur. C'est ça? Oui. Il y a quoi dans l'eau là que tu as commencé à avoir peur? Et puis tu voulais quitter la maison. Il y a quoi dans l'eau? C'est l'eau simple. L'eau là, c'est simple. Tu sais que tu ne veux pas quitter la sorcellerie. Quand tes amis sorciers là viennent en mission chez vous, là, ils t'appellent, non? Tu sors de ton corps pour partir, non? Tu sors de ton corps, non? Comment? Tu sors comment? Je suis bougé, je m'appelle, puis moi, je me lève, mais devant la porte, puis la gosse de ma caméra, mais pas, puis on s'en va. Tu te transformes en quoi et puis tu t'en vas? Non, moi, on ne me transforme pas. C'est eux-mêmes, c'est elles qui mettent ses ailes là sous moi. Puis on s'en va. Et puis vous partez? Elle se transforme en quoi? Elle se transforme en oiseau. En oiseau. Mais depuis que ta mémé là, a aspergé dans la maison, est-ce que tu sors encore pour partir? Non. Mais pourquoi? Est-ce que tu sors encore pour partir? Non. Mais pourquoi? Jusqu'à... J'ai dit, parce qu'elle a prié sur toi jusqu'à... Mais tu sortais. Elle est venue, les hommes, après prier, la femme est venue. Elle est venue, elle est venue au pâtissier, Dieu m'a pris que sous vos dents. Que moi, elle appartient au Seigneur maintenant. J'ai dit, quand ta grand-mère a aspergé l'eau là, est-ce que tu sors toujours de ton corps? Non. Non. Pourquoi? Il y a quoi dans l'eau là et puis tu... Ne sors plus. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'elle a ce régime? Depuis qu'elle a mis l'eau là. Oui. Je ne sortais plus de mon corps, était couché tout à l'heure. J'ai peur. Tu as peur? Depuis qu'elle a mis l'eau là, elle sort plus qu'elle a peur. Oui, mais il y a quoi et puis elle a peur. Il y a quoi? C'est l'eau de robinet, c'est l'eau sain. Mais il y a quoi et puis tu as peur? L'eau là, elle est brûlée dessus d'abord. Avant qu'elle mette ça dans la maison. Il y a quoi dedans? Il y a le feu dedans. Il y a un pouvoir de Dieu dedans. Il y a quoi dedans? Mais c'est l'eau sain. C'est le Saint-Esprit a mis ça dans la maison. C'est l'eau du Saint-Esprit qu'elle a mis dans la maison. Maintenant, est-ce que quand tes gens ça viennent là, est-ce qu'ils arrivent à rentrer encore? Mmh. Mmh? Ils n'arrivent plus à rentrer. Mmh. Tu veux quitter la sorcellerie, non? Mmh. Quand tu es arrivé dans cette maison de Dieu, là, à l'entrée là, on t'a dit quoi? Tu as vu des gens à l'entrée? Mmh. Tu as vu qui? Monsieur, il était là pour t'arriver. C'est pas ça. Ton deuxième œil là, ça a vu quoi? Œil spirituel là, tu as vu quoi à l'entrée? Elle te prend pour sortir la nuit là. Elle, tu prends pour aller faire sorcellerie pour envoyer sang là. Mmh. Ça a vu quoi? Elle a vu la femme, elle a vu la sortie. Faut te reconnaître que moi je suis plus. La femme là t'a suivi ici. Elle est venue. Elle t'a suivi, non? Jusqu'où? À l'entrée de la porte. Et quand on est descendu de la voiture, c'est venu. Et c'est venu, c'est venu, c'est
intercéder pour qu'il se plaît. Maintenant, quand vous êtes arrivé dans la cité, ici, est-ce qu'elle était toujours là? Non, elle est partie. Elle est partie. Ah, nous, on est descendu dans le taxi de Réwafra. Elle était avec nous. Dans le taxi, là, nous. On est descendu. Elle vous suivait en esprit. Elle ne veut pas qu'elle soit délivrée. Maintenant, quand vous êtes arrivé au niveau du bâtiment, à l'entrée, là, au portail, là, tu as vu quoi? Avec ton œil de sorcellerie. Là. Tu ne veux pas quitter la sorcellerie. Tu ne pas dire à la société. Tu as vu quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit à l'entrée là? Tu as vu des gens en esprit. Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit si moi je rentre dans le bâtiment, ils vont me tuer. Si tu rentres dans le bâtiment, ils vont me tuer. Ils étaient combien? Ils étaient deux. Ils étaient? Deux. Deux. Ils étaient comment? En jaune, en rouge, en vert? Ils étaient comment? Ils étaient quoi? Ils étaient en noir. En noir. Et puis, ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit que si moi je rentre dans le bâtiment, ils vont me tuer. Ils font partie de votre camp? Hmm? Ils font partie de votre camp. Donc, ils sont venus t'attendre. Hein? Maintenant, à part eux, là, quand tu rentrais dans le portail, là, à l'entrée, là, tu as vu qui? Tout à l'heure, c'est eux qui t'ont appelé, puis ils t'ont appelé là. Ah non, ils sont venus dans la salle là. Hein? Dans la salle là, tu as remarqué quoi? Qu'on est arrêté dans la salle, ils sont en train de faire pour nous. Et c'est le vieux pasteur. Le pasteur, il est saint. Il n'y a personne à côté de lui. Il y a combien d'hommes? Tu ne veux pas quitter la sorcellerie? Tu ne veux pas quitter la sorcellerie? Je ne veux pas quitter aussi, juste que tu ne veux pas quitter la sorcellerie. Attends, une reine. Tu occupes quel poste là-bas, dans la sorcellerie? C'est toi, tu exécutes les missions. Quand tu exécutes, tu manges quelle partie? Tu ne veux pas quitter la sorcellerie. Tu ne veux pas quitter la sorcellerie. Tu manges quelle partie? Moi, je sais la partie que tu manges. Faut dire ça simplement. Hein. Tu manges quelle partie? Tu manges quelle partie? Quand tu as livré ta maman là, tu as mangé quelle partie? Ta maman, ils vont te grader. Tu as livré ta maman, ils t'ont gradé. Tu as mangé quelle partie? Faut pas mentir. Ce que tu as vu là. Tu es devant Dieu, tu dis non. Tu sais que tu veux pas quitter la sorcellerie? Tu as voulu la quitter. On dit la vérité, on va rien te faire. Hein? On dit la vérité, on va rien te faire. Tu as vu, je suis pas dans la main de quelqu'un. Tu as vu, je suis ici. Tu as mangé quelle partie? Tu as mangé la tête. Bras-tête. Tu as mangé la tête. Il y a une partie que tu as mangée. Tu connais. On dit la véritable partie que tu as mangée. C'est quelle partie? On ne veut pas ici. C'est la vérité que tu as dit. Ils vont prier pour tout quitter. Tu ne veux pas quitter la sorcellerie? Ça ne va pas t'arranger. Elle a déjà pris le lait. Tu as pris le lait. Le lait que tu as bu ce matin, il y a quoi dedans? Tu veux pas quitter la sorcellerie? Tu veux pas quitter la sorcellerie? Tu veux rester dedans? Quand tu es venu dans ce bâtiment là, à l'entrée au portail là, les anges de Dieu là, t'ont dit quoi? Mais tu n'as pas dit que tu ne l'as pas vu? Les anges de Dieu t'ont dit quoi? Faut répéter. Ils étaient combien à l'entrée là? Deux. Ils étaient? Deux. Deux. Quand tu es rentré dans la salle là, tu as vu combien? Faut dire, faut parler.
Beaucoup dans la salle. Maintenant, à côté de l'homme de Dieu, il y avait combien? Il y avait deux ou trois. Ou dix, ce que tu as vu. Ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire ça. Tu as vu combien à côté de l'homme de Dieu? Deux. Tu as vu deux. Voilà. Tu veux bien quitter la sorcellerie, non? Tu as vu deux anges à côté de l'homme de Dieu. En bas aussi, au portail, tu as vu deux anges. Ils t'ont dit, si tu ne quittes pas, tu vas mourir. Hmm? Donc, si tu ne dis pas la vérité, tu vas mourir. Tu veux mourir? Tu veux vivre, non? Tu es né pour vivre. Tu vas appartenir à Jésus. Donc, il faut dire la vérité. Le petit lait que tu as bu, là, il y avait quoi dedans? Comme pouvoir de Dieu. Dit la vérité. Donc, dis-moi, tu ne veux pas quitter ton trône de sorcellerie? Tu ne veux pas quitter? Il faut dire la vérité. Tu veux toujours rester dans la sorcellerie? Tu as quel âge dans la sorcellerie? Tu ne veux pas quitter la société. Tu as tué combien de personnes? Tu as 24 ans. Tu as plus que ça. Tu as livré ta maman. Tu as livré d'autres personnes encore. Mm. Tu as quel âge dans la sorcellerie? 12 ans. Tu ne veux pas quitter la sorcellerie? Hein? Tu veux rester dans la sorcellerie? Mais dis la vérité. Quand tu as livré ta maman, on t'a donné quel poste? Tu es chef là-bas maintenant? Non. Tu es chef? Non, tu es chef. Tu es chef. Faut dire la vérité. Tu es chef. On dit ça à Mimi là. On nous dit. On dit que tu es chef là-bas. Tu veux pas quitter la société? Quitter. Tu veux pas parler? Tu veux pas te confesser? Je vais confesser. Tu es chef là-bas. C'est-à-dire que tu es assis sur le trône. Hmm? Dans le lait que tu as bu ce matin chez l'homme de Dieu ici, là, il y a quoi dans le lait là? Tu vois, ton œil a vu. Mais quand même, tu as bu. Hmm? Pourquoi tu as accepté de boire? Parce que tu veux quitter dans la sorcellerie. Parce que tu veux quitter dans la sorcellerie. Tu sais que si tu bois, ça va t'enlever dans la sorcellerie. C'est ça, non? Il y a quoi dans le lait là? Bon, maman, on va. On va aller. L'homme de Dieu va procéder à ta délivrance. Voilà, pour que les choses avancent. La semaine prochaine, sa langue sera déliée pour qu'elle puisse bien parler. Comme c'est maintenant, le feu a commencé à monter. Dieu fera son œuvre.